Visite ça est située dans le cadre de visite commissaire Nerven Mimisa qui vient. C'est un pire gradé au niveau de l'Union européenne et qui est chargé justement de nous aider au développement pour l'Afrique, Caraïbes et je dis à Haïti. Moi, que la présence de l'Ili a fait plusieurs rencontres avec l'exécutif et je dis à il était venu visiter le Parlement. Sur la question de l'exécutif, il y a des aides budgétaires, des aides pour le Grand Sud qui ont été discutées. Mais au niveau du Parlement, c'est ouais, comment on peut renforcer la structure du Parlement, hein, comment on peut renforcer la commission permanente. Et nous avons très apprécié ça puisque le pouvoir législatif est également a un rôle pour contrôler comme ça au Cap-Bay tout. Et on voit ouais, comment pour aider le Parlement, renforcer la commission, pour nous contrôler comme on peut dans l'aide, soit dans le Grand Sud, comme on peut au développement. Et comme que vous pouvez le mettre dans la route. Et ça va être comment ça fait? Travail ça, vous pouvez le faire côté que nous pouvons faire une commission permanente d'appui, soit par des experts, soit dans la formation, pour que vous même vous fait travail. Le travail que nous commençons, nous par exemple hier, nous avons fait contrôle de l'exécutif, nous pouvons le renforcer. Et nous avons un programme pour nous faire comment le budget a dépensé tout. Chaque comme qui dépense dans le budget à nous-mêmes, pour nous côté l'aller. Est-ce que le TAL fait exactement ça nous avons voté là? Et nous avons plaisir de participer à la rencontre avec le sénateur Sildor. Nous avons profité de poser problème Grand Sud là, puisque nous connaissons le Sud, la Grandance et l'ENIP. Ils ont besoin d'assistance spéciale. Et je pense que l'Union européenne engage déjà, pas seulement pour aide humanitaire, mais en même temps humanitaire, aide au développement tout, pour renforcer la structure. Ou si nous avons un cyclone encore, structure plus ferme et que nous ne pouvons pas arriver dans la situation que nous vivons. Comment on va faire contrôle ça, puisque l'Union européenne dépense en Haïti qui n'est pas dans le budget? Comme qui est dans le budget, aide budgétaire, il faut contrôler. Si c'est l'Union européenne qui a fait projet à d'autres mondes, ça c'est une autre question. Mais ça qui a fait pour l'État, au niveau du budget ou bien au niveau des projets de l'État, nous-mêmes, nous contrôlons tout. This is an important visit by an European Union's official to Haiti, because my role as a development commissioner was to come here and to take stock of the ongoing development cooperation, but also to look into the best modalities to make our future engagement in development cooperation more efficient and more contributing to the development priorities of Haiti. Oui, donc visite ici là, c'est une visite qui est très importante parce que non seulement il y a deux objectifs, c'est non seulement pour nous évaluer la situation que nous vivons pour l'IA, mais aussi pour nous voir quelle modalité, quelle meilleure modalité nous capable de gagner pour coopération capable plus efficace pour le développement pays. My assessment is definitely that that we have now in front of us very important task, joint task with the government, with the parliament, with our development services to make our projects contributing to the priorities, development priorities of Haiti. And my assessment is that that this is a moment of opportunity for Haiti and moment of opportunity for the European Union and Haiti's cooperation. We are highly assessing the capacity and the reform program of the government that would make our programs more efficient than ever before. Bon, réellement, ça nous est, c'est que nous évaluer que nous avons des tâches très importantes devant nous pour nous-mêmes, pour l'Union européenne et pour le gouvernement et pour la coopération, nous, pour les services de développement. Nous. Et nous avons besoin justement de développer priorité. Et moi, ça que m'évalue Koulia, c'est que c'est un bon moment pour Haïti. Okay? C'est une bonne opportunité pour Haïti avec l'Union européenne pour coopérer, pour faire les réformes qui sont nécessaires dans le pays. Oui. Je would say on a good path toward making our projects efficient. We have more than 420 million euros of projects. It's not easy to identify the most efficient programs, but we are on a good track to do so. Moi, je pense que nous sommes sur bon chemin hein, pour nous faire projet nous le plus efficace possible parce que nous avons investi 420 millions d'euros et ce n'est pas un bail qui est facile pour gérer, mais de toute façon, nous pensons que nous sommes sur bon chemin.